Coucou tout le monde, je reviens aujourd'hui avec un haul vêtements et quelques accessoires aussi. Donc c'est des achats que j'ai effectués en boutique, sur internet, etc. Donc voilà, je vais commencer. Donc je suis allée chez un magasin chinois où, voilà, et je me suis acheté ce sac à main là. Donc comme ceci, donc je sais pas si vous verrez bien la couleur, mais en fait il est corail assez néon. Donc là vous avez une grande anse, des poignées, un petit truc comme ça, et puis à l'intérieur il est vachement profond, donc c'est très bien. Il me semble que je l'ai payé 18,90€, donc ça valait le coup, moins de 20€ un sac à main. Donc voilà, ensuite pour aller avec le sac... je me suis acheté une petite paire de chaussures. Bon, c'est plus pour l'été, mais j'ai exactement les mêmes en noir, donc j'avais envie de me les reprendre. Je les ai payées 10€ seulement, donc voilà, et elles sont vraiment trop mignonnes. Et voici comment elles se présentent. Donc là en fait vous avez toute une bande en strass avec des lanières corail, donc voilà, une petite fermeture derrière. Je les ai pris une taille de plus parce qu'il n'y avait plus que celle-là. Et puis, elle m'allait bien aussi. Elle ne me servait pas trop. Donc, voilà. Donc, 10€ la petite paire de chaussures. Ça valait le coup aussi. On va mettre ça là. Ensuite, je suis allée chez Camailleux. Voilà, j'avais envie de passer. J'ai rien trouvé d'extraordinaire. Il y avait pas mal de bijoux. Mais bon, pareil. Limite les bijoux c'est à partir de 6-7€, donc j'avais pas spécialement envie de dépenser autant. Donc je me suis trouvé ce petit collier. En fait il était toujours en promotion. Donc, il y a des petits strass partout, et il y a des petites perles de couleur vert pomme, un peu vert clair, et il est super joli. Je crois que je l'ai payé moins de 3€, donc ça valait largement le coup. Donc voilà, ensuite j'ai fait une commande chez Asos, d'ailleurs je l'ai reçue ce matin, donc j'en profite pour vous les montrer. Alors, j'ai commandé 3 articles. Alors, il y avait pour commencer cette ceinture, donc là il y a toujours le plastique dessus, mais je l'enlève pas tant que je ne l'ai pas encore mise. Donc voilà, puis tout ici c'est, je crois que ça, ouais, c'est du Sky. Oui, donc c'est en sky couleur beige en fait, et elle est vraiment super jolie. Derrière ça s'attache comme ça avec trois petits clous. Donc voici, alors je dois avoir encore les prix de ces articles là vu que je les ai reçus aujourd'hui. Donc la ceinture, elle était en promotion, je l'ai payée que 5,86€, donc franchement pour une ceinture comme ça, en plus elle est quand même de bonne qualité. Donc ça va le coup. Ensuite, je vais vous montrer mes articles que j'ai commandé chez Asos, que j'ai reçu aujourd'hui. Alors je vais dézoomer parce que là, je risque d'être un peu trop près. Je voulais vous dire aussi, je vais essayer de vous mettre une petite mini vidéo entre chaque article pour vous montrer portée en fait. Donc voilà, si... Donc on va dézoomer. Donc voilà, je me suis pris une veste en jean, donc toujours chez Asos. Donc je sais pas si vous allez bien. Donc elle est comme ceci. Donc là vous la voyez peut-être un peu plus foncée, mais elle est vraiment bleu clair. Donc voilà, des manches basiques. Je vous mettrai ma petite vidéo. Et derrière, vous voyez, derrière on peut le resserrer à la taille. Voilà. Ça fait un moment que je cherchais une veste en jean. Donc j'ai enfin trouvé. Combien je l'ai payée celle-ci? Elle était aussi en promotion. Et je l'ai payée 28,63€. Donc 30€ une veste en jean. C'est quand même correct. Sachant, je vais vous dire après que j'ai une remise sur Total sur ma commande. Donc voilà pour la veste. On va continuer.
Donc ensuite, je me suis pris une espèce de petite chemisette en fait, sans manches. Donc voici. Pareil en jean. Donc, elle est un peu froissée parce que je l'ai mal à recevoir aujourd'hui. Mais je vous mettrai pareil une petite vidéo portée. Donc là, elle paraît plus foncée, mais elle est plus claire. Donc voici, elle se présente comme ceci. Une petite chemisette en jean toute simple. Je trouvais ça assez sympa et je l'ai payé 14,96 €. Donc 15 € une petite veste comme ça, enfin une petite chemisette comme ça, c'est très sympa. En plus, j'adore. Et donc je voulais vous parler aussi, en fait, j'ai donc sur ces trois articles, j'avais eu un code promo disant que en plus des produits en promotion, j'avais moins de 6%. Du coup, ça me faisait un total de 49,45 €. J'ai eu une réduction de moins 10% de 4,94 €. Donc en fait, on va dire que limite la ceinture, je l'ai eu gratuite. Et du coup, j'ai payé que 44,50 € et je crois que j'avais pris les frais de port gratuits. Donc voilà. Donc je vous la mets portée et on continue avec les autres. Donc ensuite, chez MS Mode, je me suis pris une petite veste comme ceci. Donc là, c'est pas évident de vous montrer. Donc c'est une veste couleur fuchsia. Donc il y a des petits détails ici. Donc voilà, une petite veste. Dans le dos, c'est comme ça, mais vous verrez mieux portée, il me semble. Celle-ci, j'ai dû la payer 12 €, il me semble. Elle était aussi en promotion, donc 12 € une veste un peu style blazer et tout, j'adore. Donc voilà pour cette petite veste. Donc ensuite, c'est une petite tunique corail qui vient de chez Kiabi que j'ai acheté sur internet, voilà. Donc elle se présente comme ceci. Au niveau des manches, il y a un petit bouton pour fermer. Tout le long, comme vous pouvez voir, il y a des petits boutons. Donc voilà, vous pouvez serrer, fermer à la hauteur que vous voulez. Par contre, je ne me souviens plus du prix. Je crois que c'était ce que je l'ai acheté d'occasion, mais elle était neuve. Je crois que c'était 12 € frais de port compris. Donc ça valait le coup. Pareil, je vous mets la petite vidéo portée. Donc chez New Look, j'ai acheté enfin, cette petite chemise donc, transparente de couleur bordeaux. Donc tout le long il y a des boutons. Donc là elle est pas fermée. Donc c'est une chemisette sans manches. Donc vous voyez qu'elle est transparente. Et au niveau du col, il y a des petits détails comme ceci, en couleur or, et je la trouve vraiment très sympa. Donc moi je la porte avec un top noir en dessous et tout le monde me dit que cette couleur ça me va très bien, donc je suis contente. Donc voici, par contre je me souviens plus du prix, mais je pense que vous pouvez regarder aussi chez New Look si elle est toujours disponible. Donc voilà. Donc toujours chez New Look, j'ai acheté ce haut. En fait, je sais pas comment, je sais plus comment ça s'appelle.
C'est un haut avec une basque, donc je vais vous montrer. Donc déjà le col, vous voyez, il y a plein de strass, de perles et tout. Il est vraiment magnifique. Dans le dos, il y a une fermeture invisible. Donc là, vous avez au niveau de... Ça fait molletonner au niveau des épaules, donc ça vous fait une carrure assez jolie. Et donc le bas, ça part en évasé ici. Donc voilà, ça vous fait une basque. Donc pareil, vous le verrez porté. Je ne me souviens plus du prix non plus. Donc encore chez New Look, j'ai pris le même type que le blanc, mais en noir et en tout simple en fait, uni. Donc voici, vous voyez en bas, pareil, je sais pas si vous verrez. Donc en bas, il y a une basque, pareil, je vous mettrai porté. Ça avec, par exemple, la ceinture à sauce que j'ai achetée, c'est super sympa, j'ai essayé tout à l'heure. Voilà, je me souviens plus du prix. Si j'arrive à retrouver les prix, je les ai payés, je vous les mettrai ici. Donc on va continuer. Donc ensuite j'ai pris un haut comme ceci. Donc c'est un décolleté rond normal et dans le dos vous voyez une ouverture comme ceci, ça fait très sympa. C'est tissu mousseline voile et doublé en dessous. Ça je sais pas c'est quelle marque, sur l'étiquette il y a marqué Carpe Diem. Donc voilà, je sais pas d'où il vient. Donc voici sur le devant, sur le col, vous avez des plis. Donc voici, c'est un petit haut assez sympa, couleur bleu roi, donc j'aime beaucoup. Et pour terminer, mon achat chouchou, c'est une maxi robe en fait, qui m'arrive aux pieds en fait, on voit pas mes pieds. Donc elle vient de chez New Look. Donc elle se présente comme ceci, donc là vous voyez, au niveau des épaules, il y a des petites lanières qui laissent découvrir vos épaules. Donc le devant est simple, ici c'est resserré par un élastique à la taille et elle est très 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 longue. Donc voilà, pareil, vous l'avez reportée, je pense que ça rendra mieux. C'est vrai que montrer des vêtements, nos achats vêtements, c'est pas très pratique. Donc c'est pour ça que je vais vous insérer des micros vidéos. Et donc celle-ci coûtait 29,99€, mais je ne l'ai pas payé ce prix-là vu que je l'ai acheté d'occasion, mais elle est neuve, il y a encore l'étiquette. Donc voilà pour mes achats. Donc vous allez la voir maintenant.
Donc voici pour mes achats vêtements et accessoires. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, j'étais contente de vous montrer mes achats. En fait, on va dire que c'est des achats grande taille. Donc c'est pratique pour celles qui cherchent des vêtements grande taille. Donc vous pouvez, il y a pas mal de sites internet qui vendent maintenant des vêtements grande taille et très jolis. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire les vêtements que vous avez aimés, que je vous ai présentés. Et à me conseiller des sites si vous en connaissez, des sites de grande taille. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye!